fomenter, c'est-à-dire préparer secrètement, fomenter des troubles. C'est enfin ourdir, tramer, organiser une conspiration ou préparer la trame d'une action. Comment alors le complot est-il mis à la disposition soit du public, soit des autorités établies? Le complot est déjoué. Déjouer, c'est faire échouer les manœuvres de quelqu'un. On déjoue un complot. Il est soit éventé, nous disons éventé, c'est-à-dire rendu public. Éventer un complot. Monsieur le Président, le lexique des termes juridiques 20e édition d'Allos définit l'infraction comme étant une action ou une omission violant une norme de contrainte strictement définie par un texte d'incrimination entraînant une responsabilité pénale à son auteur. Elle peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en fonction des peines prévues par le texte. L'infraction pénale se commet donc soit par commission, soit par omission, soit par abstention, soit en proférant. L'infraction à la loi pénale, notamment l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, se commet par entreprise, par quelque moyen que ce soit, de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale congolaise et de soustraire l'autorité du Congo ou une partie du territoire sur lequel s'exerce cette autorité. Commettre une atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ce qui serait organisé même doté de moyens nécessaires ou pas, et auront posé ou tenté de poser des actes de nature à détruire ou renverser l'ordre étatique établi, ou ceux qui auront posé des actes de nature à toucher les bases de l'organisation sociale ou commis tout attentat ayant pour but de compromettre l'existence de la nation ou d'en modifier la structure constitutionnelle ou toute manœuvre interne qui auront pour but de déstabiliser l'organisation socio-politique de l'État et porter atteinte à l'intégrité territoriale en temps de paix. L'atteinte à la sécurité intérieure de l'État est constituée en dehors même de tout passage à l'acte dès lors que le dessein formé de s'emparer du pouvoir par la force et mettre en péril à la fois la vie des citoyens, la paix publique, le fonctionnement régulier des institutions ou la sûreté de l'État. En effet, Monsieur le Président, le nommé André Okomi-Salissa s'était farouchement opposé à la tenue du référendum constitutionnel du 25 octobre 2015 à l'origine de la constitution actuelle congolaise en vigueur. Pour ce faire, il avait organisé et élaboré un plan de déstabilisation par l'érection des barricades sur les artères principales de la ville de Brazzaville et bien d'autres villes de la République. Candidat malheureux aux élections présidentielles, scrutin du 20 mars 2016, il se soustrayait de toute vie politique et trouvait refuge dans une propriété privée, sise au numéro 10 de la rue Fulbert Youlou au quartier Massengo, propriété du capitaine de police Ngobolo Jean-Claude. De sa résidence, mieux de sa retraite cachée, il procédait par voie de presse, audio et écrite, à travers les réseaux sociaux et par des déclarations appelant à l'insurrection contre les institutions de la République. En date du 25 octobre 2015, il avait instruit ses militants et autres en vue de contrecarrer au bon déroulement du scrutin. Les troubles eurent lieu dans les quartiers de la zone sud de Brazzaville et ne s'accomplissaient dans la zone nord du fait qu'ils avaient été décommandés par M. Etoula sans envoyer. Cela l'a été dit ici devant la barre. C'est ainsi qu'au cours de la réunion de M. Okomi-Salissa, il était taxé par d'autres de traître, simplement parce que rien ne s'était accompli dans sa zone de prédilection. M. Okomi-Salissa avait, dans ses entreprises, bénéficié de l'apport et du concours de Makosso Espoir, au Kéry Pamphile Mesmin et de son épouse Goma Gisèle. De même,
il avait bénéficié de la complicité de Sébi Alphonse et de Ngobolo Jean-Claude. Inculpé par M. le magistrat instructeur d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, Sieur Okombi Salissa André avait nié les faits mis à sa charge. De même, après lecture par M. le greffier audiencier de l'arrêt de renvoi et à la question par vous à lui poser de savoir s'il reconnaissait les faits mis à sa charge, il maintenait ses dénégations. Monsieur le Président, suite à la remise des interceptes par le ministère public et usant des prérogatives qui vous sont reconnues par les dispositions de l'article 261 du Code de procédure pénale, vous aviez, par arrêt avant dire droit, ordonné un complément d'enquête. Cette enquête avait abouti à l'audition des conversations téléphoniques, tantôt entre le mis en cause et d'autres personnes, tantôt entre les tiers. Il se révèle que téléphoniquement, le nommé Okombi Salissa André communiquait constamment dans un seul but tendant au renversement des institutions. Il avait communiqué ainsi avec le nommé Kosaloba, Lokotran, Caleb, Ralko, Séné Mungondo et bien d'autres personnes acquises à sa cause. Et toutes ces conversations ne tendaient qu'au renversement des institutions établies. De toutes ces conversations, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, Madame, la plus pertinente est celle de Lokotran avec son épouse. L'épouse de Lokotran qui le dissuade, il dit en substance qu'il ne sert à rien de persister dans la voie que vous avez choisie, la voie tendant au renversement des institutions établies. Vous avez déjà échoué. Vos manœuvres ne vous amèneront nulle part. Vous n'aurez pas à gagner. Votre plan est éventé. Tu es encore jeune. Ne t'occupe pas de M. Okombi qui, entre guillemets, a déjà fait sa vie. Tu as la vie de tes enfants à sauvegarder. Il y a également celle de M. Caleb, M. le Président. Oh, celui-là, pendant l'enquête, qui tremblait, qui tremblotait, parce que confondu par rapport à l'intercepte, par rapport à l'audition de sa communication d'avec M. Okombi. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les jurés, le nommé Okombi Salissa a bâti sa défense en ayant absolument tout. C'est son système. Pour le ministère public, il n'y a pas de difficulté. Compte tenu de l'instruction que vous avez menée avec brio, Monsieur le Président, de ce qui s'est dit devant la barre de votre cour, des confrontations qu'il y a eu et de l'audition des interceptes, Monsieur le Président, pour le ministère public, il n'y a pas d'ombrage. Vous les retiendrez dans les liens de la prévention. S'agissant de M. Makosso Espoir, disons que vous retiendrez M. Okombi Salissa dans les liens de la prévention d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. S'agissant de M. Makosso Espoir, M. Makosso Espoir, Okeri Pamphile Mesmin et Okombi Gisèle, épouse Okombi Salissa, contre lesquels mandat d'arrêt valant inculpation était décerné, vous le retiendrez également dans les liens de la prévention d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Seront également retenus dans les liens de la prévention de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État les nommés Osibi Alphonse et Ngobolo Jean-Claude. Quant aux peines qui leur seront infligées, Monsieur le procureur général qui prend le relais les spécifiera. Monsieur le Président, vas-y. Je reviens encore pour enfin caractériser l'infraction de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Je veux bien être terre à terre pour que l'opinion soit sensibilisée. Je vais être d'ailleurs terre à terre. Qu'est-ce qui constitue l'infraction de détention illégale d'armes et munitions de guerre? Il
Il faut qu'on se pose de petites questions. Dans cette salle où les débats ont été menés, il est solidement acquis, de par les pièces que vous avez au dossier, de par les débats qui ont eu lieu, que les armes qui nous ont été présentées dans cette salle ont été trouvées dans le domicile de Madame Okombi Salissa, en la personne de Ngoma Gisèle. Ces armes ont été trouvées dans le domicile de Madame Okombi Salissa, qui n'est pas militaire. C'est des armes militaires, c'est des armes de guerre. L'accusé Okombi Salissa, qui non plus n'est militaire, s'est trouvé en possession de ces armes militaires, qui ne sont utilisées que dans des unités d'infanterie. On nous l'a dit ici. Est-ce que le domicile dans lequel ces armes ont été trouvées constitue stricto sensu un magasin d'armes? À cette question, nous disons non. C'est un domicile privé. Est-ce que Ngambou, Osibi, qui ont vécu dans cette parcelle, Madame Okombi Salissa elle-même, qui a eu la gérance de ce dépôt, ne nous ont jamais, ils ne sont pas là d'ailleurs, mais c'est à l'accusé Okombi maintenant, de nous donner la preuve que ces armes qui ont été trouvées dans un domicile connu de lui, dans un domicile où ont vécu sa femme, ses alliés, ont été l'œuvre d'une main noire. Je n'en crois pas jusque-là. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce domicile n'a jamais été libre d'occupation. Soit elle a été occupée par Madame Okombi, soit elle a dû continuellement, le domicile, être occupé donc par Ngambou et Osibi. À quel moment ces armes de grande portée, à quel moment ces armes de guerre ont-ils pu se trouver dans un entrepôt où les clés de ces cadenas n'ont jamais été détenues par de tierces personnes, sinon que par des personnes qui ont habité cette maison? Nous avons les prises de vue de la police. Je ne sais plus, voilà. Il s'agit bel et bien de ce domicile, Monsieur le Président, où les armes ont été trouvées. Au sein de ce domicile, il y a cet entrepôt. Vous voyez bien qu'il est fermé d'une porte métallique avec deux barres de fer qui se terminent par deux cadenas. À l'intérieur de cet entrepôt, on y a trouvé non seulement des armes de guerre qui ont été exposées ici, mais aussi les chapeaux de campagne du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. On les a exposés ici. Quand il s'est agi de reconnaître le fait que ces chapeaux contenait bien évidemment dans ce dépôt, parce que ça ne fait pas l'objet d'une interdiction. Oui, ça, je reconnais. Les lavabos, le matériel de construction qu'on a trouvé entremêlé dans cet entrepôt parce que nous ne faisons pas l'objet d'une interdiction, oui, ça, je reconnais. Mais s'agissant des armes, non, je ne sais pas. C'est le système. On connaît comment ça se passe. On a dû les fourrer. Mais la parcelle est habitée. Comment est-ce que de jour ou de nuit, des personnes ont pu s'introduire dans ce domicile au point d'aller fourrer ces armes
dont présentation nous a été faite ici. La détention illégale d'armes, c'est quoi en fait? Détenir, c'est posséder. Posséder, c'est garder par extension. Est-ce qu'aujourd'hui l'opinion ne peut pas être convaincue du fait que le domicile étant celui de Madame Okombi, Madame Okombi n'étant pas militaire, lui-même Okombi n'étant pas militaire, qu'il y ait des armes de grande portée, des armes de guerre, des munitions liées à ces armes qui se trouvent maintenant dans un domicile privé qui n'est pas un domicile militaire. Et même si ça avait été chez un militaire, je ne connais pas aujourd'hui dans le fichier de distribution, ou plutôt de dotation des armes de guerre, soit aux civils, soit aux militaires, une seule autorité à qui on a pu attribuer une arme comme une missile. Les roquettes anti-char, ça ne fait pas l'objet des dotations, de dotation des armes qui sont attribuées aux personnes, aux individus, aux personnes physiques. Ce sont des éléments qui doivent être dans des camps militaires, dans des casernes, dans des magasins d'armes. Mais dans un domicile privé, dans un quartier aussi reculé que Nkombo, ce domicile n'avait jamais été un domicile de l'armée, jamais. Je persiste à dire que c'est un domicile privé. Au sein d'un domicile privé, on ne peut pas y trouver des armes de guerre. Si on trouve des armes de guerre, cette parcelle a eu un propriétaire. Le fait que ces armes aient été trouvées dans ce domicile, qui n'est pas un magasin d'armes, qui n'est pas un dépôt connu de l'armée, les personnes qui ont détenu ces armes les détiennent illégalement. Voilà pourquoi on dit détention illégale, parce que cette détention n'est pas assortie d'une autorisation administrative. La force de l'ordre que vous voyez tout à l'heure, là, ils sont en tenue. C'est recommandé, c'est autorisé par la loi. Ceux qui ne sont pas policiers, ceux qui ne sont pas gendarmes, qui s'amusent à prendre à porter un uniforme, vous serez pris et vous vous présenterez ici pour port illégal d'armes. Illégal parce que la loi ne vous permet pas de porter cette tenue. Dans vos poches, l'opinion, vous pouvez détenir une botte de chanvre, une petite botte de chanvre. Comme ce n'est pas un objet autorisé à la possession d'un individu, on vous surprend avec, vous serez traduit, comme c'est un délit, vous serez traduit là, pour détention du chanvre. Peu importe l'usage que vous allez en faire. La même chose pour les armes. La détention des armes est réglementée. Nous avons le décret, c'est plutôt une ordonnance, qui réglemente voilà, je l'ai ici déjà, c'est bon. Ordonnance numéro 6224 du 16 octobre 1962 fixant le régime de matériel de guerre, des armes et des munitions. Disposition générale, article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles peuvent être fabriqués, importés, exportés, vendus, cédés et acquis, détenus. Voilà pourquoi on parle de détention. Lorsque vous détenez une arme, à quelque titre que ce soit, sans que vous ayez eu l'autorisation administrative, cette arme trouvée en votre possession vous expose à cette infraction qualifiée détention illégale d'armes et munitions de guerre. Les armes trouvées, la liste des armes trouvées au domicile de M. Okombi. 7 pistolets mitrailleurs PMAK, pistolets mitrailleurs automatiques Kalachnikov, je crois. Avec les numéros, il y en a 7. Les lance-grenades Castor, lance-roquettes, missiles sol-air, les fusils mitrailleurs RPK 7, 3, 7,
Les fusils SKS, vous ne les trouverez jamais en ce nombre au nom d'une dotation à un individu. Vous avez beau être général, on ne vous dotera jamais d'un missile sol-air, dotation officielle. Voyez cet important arsenal d'armes qui se retrouve dans un domicile privé et on voudra nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ils ont détenu ces armes à quel titre? C'est interdit par la loi. C'est interdit, la loi l'interdit. Ils ont fait quoi? Ils ont détenu des armes nonobstant les textes en vigueur. Nonobstant, je me répète, Okombi n'est pas militaire, il n'a pas le droit d'avoir en sa possession des armes militaires. Son épouse n'est pas militaire et n'a pas le droit d'avoir des armes qui sont des armes de guerre, donc des armes militaires, dans leur propriété privée. Il faut bien que l'opinion soit avertie, soit consciente de ce que tout est réglementé. On vous trouvera avec un uniforme militaire, non, détention, plutôt port illégal d'armes. On vous demandera, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait ou causé un acte qui est interdit par la loi. Nous allons donc poursuivre avec la lecture de certains éléments de cette ordonnance. On est le chapitre 8 sur les sanctions. Les autorisations, agréments ou permis prévus par la présente ordonnance sont toujours donnés à titre précaire et révocable. On parle des autorisations. Est-ce que ici, l'accusé Okombi, qui a eu en sa possession, qui a détenu cet arsenal de guerre, a pu nous présenter une seule autorisation pour dire non, ne me poursuivez pas, j'ai pu détenir ces ordonnances en raison de cette autorisation administrative qui m'a été